Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva Ghenam qui est au plus mal après ses deux dernières opérations de chirurgie esthétique. Peut-être que vous l'ignorez, mais la semaine dernière, Maeva a fait deux nouvelles opérations, une liposuction des bras et des cuisses. Elle a également réinjecté du gras dans ses fesses. Si la candidate des Marseillais semble satisfaite du résultat, elle souffre beaucoup. Maeva raconte tout sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la chirurgie esthétique en commentaire. Donc du coup, mes amours, direction la clinique des Champs. C'est vraiment la meilleure clinique à Paris. J'ai plein d'amis qui sont fait opérer par eux, qui m'ont recommandé. Moi, j'ai déjà fait des soins chez eux. Ils sont au top du top. J'ai vraiment les numéros 1. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est lipo des bras. Parce qu'en fait, j'ai grossi. Vous savez que j'avais fait grave des régimes grosseurs pour parce que j'étais mince, je faisais un 34 pour faire du coup mes fesses, pour injecter la graisse dans mes fesses. Et du coup, j'ai explosé. Et en explosant, j'ai grave grossi des bras. J'ai réussi à perdre. Là, ça va beaucoup mieux, mais pas totalement. Donc, j'ai vraiment essayé plein de choses. Ça a fonctionné, mais pas comme je voulais. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais faire ça. Et j'ai enlevé des cuisses aussi. Après voilà, moi je vous en parle, c'est pas du tout pour faire de la pub. C'est juste parce que pour moi, ils sont trop bien. Et moi voilà, j'ai pas de tabou avec la chirurgie esthétique. Je vous recommande pas de le faire. Hein. Il faut vraiment réfléchir. Mais moi, voilà, je suis vraiment complexée. Surtout que genre à la télé, ça se voit de ouf parce que quand on passe à la télé, en fait, l'écran, ça fait prendre 5 kilos. Et du coup, ça m'a grave complexée. Genre, vraiment pas bien. Genre, je peux plus mettre de robe débardeur là. En ce moment, tellement que j'ai été complexée. Ça fait plus d'un an que j'ai grossi. Et j'ai arrivé à perdre, mais pas totalement, quoi. J'ai pas retrouvé exactement mon corps d'avant. En fait, j'ai trop fait de régime grosseur. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles de l'opération. Tout s'est bien passé. Depuis que je me suis levée, que je suis sortie du bloc, j'ai fait que dormir. Parce que avec tous les médicaments, j'étais hyper fatiguée. J'avais pas trop dormi la veille. Franchement, tout va bien. J'ai pas mal au cœur. Bizarrement, j'ai pas de douleur. De toute façon, je suis pas sensible. À ça, voilà, je suis trop contente, mes bras sont faits, j'ai fait aussi les cuisses et derrière le dos pour bien finir, j'ai pas fait le ventre, j'ai pas fait la totalité quoi, j'ai pas fait le ventre, j'ai fait seulement l'intérieur des cuisses et du coup j'ai réinjecté dans les fesses. Moi c'était surtout les bras là où j'étais complexée et franchement c'est magnifique, je suis trop contente, il est trop fort. Et il a d'ailleurs très très bonne réputation ici à Paris. Donc voilà, là je me sens beaucoup mieux. Et donc voilà, je voulais juste vous donner quelques petites nouvelles. Et je suis encore plus contente ce matin, parce que ça y est, ça a enfin lâché. Je vous avais dit que mon Botox, au bout de 5 jours, ça allait redescendre. Au début, ça allait être et là ça a relâché, vous voyez, avant genre c'était comme ça, j'avais pas, c'était tout droit et là voilà, j'ai retrouvé ma forme de sourcil qui retombe. Donc voilà, que des bonnes nouvelles. Comment tu vas ma patiente? J'ai mal au sein, mon petit cœur. Mes amours, aujourd'hui je vous ai pas trop snappé parce qu'en fait je souffre, j'ai très 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 mal. Je sais pas pourquoi, genre j'ai l'impression que ça va de moins en moins bien. Du coup je prends beaucoup de cachets, je fais que dormir et voilà. Heureusement que j'ai Natacha qui est là, qui s'occupe de moi parce que je peux vraiment rien faire, genre même me laver, je peux pas. Heureusement qu'elle est là, genre même pour me lever.
Le médecin m'a dit que c'était normal, qu'au bout du cinquième jour, genre, j'allais encore plus souffrir, enfin, le cinquième jour, et que ça allait, enfin, ça va aller mieux, quoi. Et voilà, je suis trop dégoûtée parce que ben, je devais rentrer aujourd'hui et j'ai pas pu parce que j'ai trop mal. En plus, je suis pas sûre de pouvoir prendre l'avion, donc il va falloir que je prenne le train vu que j'ai le chien à ramener à Marseille. En plus, j'avais un rendez-vous super important demain. Donc il fallait absolument que je rentre aujourd'hui, mais j'ai pas pu. J'avais trop mal. Du coup, si demain ça va pas mieux et que je peux pas rentrer, ben ma mère elle va venir me chercher à Paris. Ou elle va venir genre pour m'aider. Mais en tout cas, heureusement que j'ai Natacha. Vraiment, genre sans elle, je sais pas comment j'aurais fait. Je peux vraiment rien faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas trop snappé aujourd'hui. Je suis très fatiguée, j'arrête pas de dormir. Je fais que dormir. Toute la journée, je dors. Toute la nuit, je dors. Je suis un quoi, là, je vous jure. Genre là, vraiment, j'en peux plus. Je sais que genre dans 2-3 jours, ça va aller beaucoup mieux. Et que ben je vais être trop contente parce que ben là, j'ai un corps de ouf, vraiment. Mais là, le fait de rester toute la journée enfermée, je supporte plus, en fait. J'ai envie de sortir, j'en peux plus de pas pouvoir faire ma douche toute seule, de pas pouvoir me maquiller, de pas pouvoir genre me préparer, j'en peux plus, j'en ai marre de rester à la maison mais j'ai pas le choix et je sais que dans 2-3 jours genre je serai la plus heureuse. Déjà quand je regarde mon corps, genre vraiment je suis la plus heureuse au monde, j'ai un corps mais de ouf, genre vraiment le docteur Azoulay de la clinique des champs, c'est trop bien, vraiment c'est le king des kings. Genre la pauvre Natacha, elle est obligée de... Genre elle a une petite Natacha, elle a un bébé. Elle a 8 mois. Je suis sa marraine, je l'aime trop, c'est trop ma vie. Et genre elle doit s'occuper et de sa petite et de moi. Genre elle doit me laver, elle doit tout me faire. Elle doit m'emmener à manger au lit, m'emmener mes médicaments. Elle doit s'occuper aussi de Hermès qui fait des pipis partout. J'ai 3 bébés en fait. Elle a 3 bébés la pauvre. Ouais. Mais heureusement que t'es là, je te jure. Je sais pas comment j'aurais fait sans toi. Du coup, voilà. J'ai mes sourcils, c'est une catastrophe. Faut que j'aille les faire épiler, j'en peux plus. Faut que je me retape la façade, les ongles, tout. J'en peux plus. Viens là, ma reine. Viens, mon cœur. Je l'aime trop, elle est trop belle, mais son père, il veut pas que je la snap. Tu as dit à tes abonnés que tu as cru que tu avais le coronavirus ou pas? Ouais, j'appelle. Le chirurgien, vu que j'ai eu mal à la tête, je pensais que j'avais la grippe des Chinois là. Genre, je suis hypochondriaque, moi. Genre, ah ouais, je suis une malade. Genre, aujourd'hui, j'ai eu hyper mal à la tête. J'ai eu mal au corps, mais genre, pas plus que d'habitude. Genre, grave, enfin, c'était supportable. Mais j'ai eu des migraines de ouf. Et j'appelle le docteur Azoulay et tout. Je dis non, mais là, je suis très inquiète et tout. Je crois que j'ai chopé le coronavirus. J'ai trop mal à la tête et tout. Mais en fait, rien à voir. Il m'a dit que c'était normal. Oh, j'en peux plus de moi. Je les ai rendus fous. Ma mère, elle est super inquiète. Elle voulait monter maintenant à Paris. Natacha, pareil, je la rends dingue. J'en peux plus de moi.